Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette deuxième édition de Biznext organisée par la Tribune à Bordeaux au centre de congrès de la Cité mondiale. Nous recevons Bruno de Cambiar qui est le directeur général d'Ixo Private Equity à Toulouse. Bonjour Bruno et merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quel est le métier d'Ixo Private Equity à Toulouse? Donc c'est des investissements de la gestion de fonds privés, pardon, je vais y arriver, sauf erreur de ma part. Quels sont vos métiers et quelle est la zone géographique que vous Oui, couvrez? alors ce que nous faisons, Ixo Private Equity, est une société de capital investissement qui rayonne sur le grand sud de la France, les quatre grandes nouvelles régions, Aquitaine, Occitanie, Rhône-Alpes, Auvergne et PACA. Oui, qui n'a pas bougé, effectivement. Voilà, nous gérons aujourd'hui à peu près 600 millions d'euros que nous investissons sur des PME en développement, en transmission et en post-innovation. La part des entreprises innovantes, est-ce qu'elle est significative? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente un petit peu les C'est pas. financements qui vont vers l'innovation? Je ne sais pas si c'est un Oui. critère C'est pas l'essentiel de ou. notre activité. Nous sommes plutôt sur des sociétés matures, mais qui pratiquent de la R&D également. D'accord. Nous pouvons intervenir sur quelques belles start-up. Nous sommes rentrés depuis 2010 sur la magnifique réussite de la société Sigfox, Ouais, hein, qui bien est à sûr. Toulouse, qui travaille sur les objets connectés avec une technologie bas débit et très économique, voilà, qui est en plein déploiement, qui vient de réussir une nouvelle levée de fonds de 150 millions qui a été annoncée la semaine dernière. Nous intéressons à l'e-santé sur une entreprise performante à Montpellier qui est également en plein développement. Voilà, nous avons quelques belles pépites que nous sélectionnons en post-création. Est-ce qu'il y a un âge, enfin vous parliez d'entreprise mûre, l'âge moyen d'intervention d'une entreprise pour Ixo, c'est quoi à peu près des entreprises qui ont vraiment fait leur preuve déjà. Enfin, là vous venez de citer un exemple Oui. qui, bon, effectivement, relève de l'innovation la plus pure et la plus pointue. C'est un cas exceptionnel pour vous Non, 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 c'est à peu près une dizaine de pourcents de notre portefeuille. Nous avons D'accord. actuellement 70 participations. Nous avons, oui, 7 à 10 entreprises qui sont au stade technologique, start-up technologique, quoi. Et vous investissez combien en moyenne dans ces entreprises, même Alors, si. annuellement, nous investissons une bonne cinquantaine de millions sur 7 à 10 nouveaux projets annuels. D'accord. Oui, c'est quand Voilà, même c'est un peu le significatif. Ouais. volume d'investissement Puis sur ce grand sud j'imagine, de la oui, il faut France. qu'il y ait des effets de levier, que vous n'êtes pas tout seul quand vous arrivez. Bon, il y a d'autres gens qui suivent ou qui. Alors, il peut y avoir d'autres investisseurs à nos côtés. Nous aimons bien avoir le leadership D'accord. sur le montage des opérations. Mais effectivement, nous pouvons partager des dossiers. D'accord. Et de l'autre côté, bon, on parle toujours aussi, c'est des enjeux qui sont récurrents à l'échelle nationale, c'est relatif à l'export. Est-ce que dans votre portefeuille, il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'export? Est-ce que Alors, ce que je c'est. disais tout à l'heure sur la tribune, puisque j'avais la joie de remettre Oui, là, vous sortez du le plateau, vous prix avez remis le hein, prix de de. la croissance Ben voilà, la internationale. croissance internationale. Excusez-moi, j'ai fait un peu ça. Effectivement, ce que nous avons constaté, c'est que les entreprises qui ont vraiment mis l'action et l'énergie sur le développement international ont très bien passé la crise. Voilà ce que nous pouvons constater. Et nous avons effectivement un certain nombre d'entreprises dans notre portefeuille qui se déploient très bien à l'international. Bruno de Cambiar, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Avant l'année Merci prochaine. bien. Au Merci, revoir. au revoir.